Allez, on revient avec la troisième place donc du Republic of Fighter qui oppose Dooms en premier player à Yox, deuxième player, avec leurs teams respectives. Allez, c'est parti. Yox qui est déjà dans le coin, malheureusement avec son Ash Crimson. Allez, la boule, bon voyage en anti-air qui est passé, ça c'est pas mal. Allez, backdash, le dragon qui passe, le génie, voilà, qui est mangé. Floréal, EX, bon voyage, saut CD en juggle. Et bon voyage. Ah, dommage, j'aurais dû faire saut CD, hein, comme tout à l'heure. Ça aurait été pas mal. Allez, la chope sur le saut mal timé de Dooms. Sympa ce piège. Ouais, on n'en voit pas beaucoup d'ailleurs en France. On n'en voit pas. Même, ouais. On n'en voit plus. On n'en voit plus. Il y a toujours Zéro qui le joue, Zéro, un Lyonnais. On va voir si Yox se débrouille toujours aussi bien dans le deuxième round. Déjà qu'on voit Benny Maru qui est arrivé, qui joue beaucoup avec des Raijin Ken aériens pour un peu se safeiser. Voilà, comme vous venez de voir, si il y a des dragons de H qui arrivent. Donc là, il se loupe un peu le dragon. Bien Il a joué. décalé le Dragon dragon. Rendu par Dooms. Allez, le Floréal. Oh merde. Le dragon de H qui passe, voilà, il arrive à se sortir du coin, notre cher Yox. La boule, le dragon après l'enchaînement de Balight, ça c'est bien joué. Raijin Ken en l'air, Raijin Ken à nouveau. Heureusement que ça charge, il me semble que ça charge pas beaucoup la barre de Fury. AB, arrière B, bien joué, sauté, ça recule. Et le cross-up qui aura raison de Beimaru. Cross-up dans la boule en fait, je pense qu'il a voulu faire boule. Ah, j'ai d'accord. vu ça. Allez, Yuri Sakasaki, donc le deuxième striker de Yox qui taunte après la chope. Il n'a pas le temps, quel enfoiré. je te jure. On l'aime, Allez, Babé, magnifique, allez, Max le Mode. combo Max Mode d'entrée. On va essayer de Allez, prendre Dooms. beaucoup de dégâts à Yuri Voilà, magnifique. Il a Sakasaki, pas Néo raté. Max, Putain. bien joué, comme ça lui permet de garder encore des furies. Et Yagiri après la chope, Yuri qui aura fait un court passage. Je crois que là, la taunte, elle est mal passée cette fois-ci. La taunte, là, malheureusement, c'est pas trop ça. Hein. Allez, donc Leona, la dernière de la team de notre cher Yox, l'anti avec le Moonslash et le. La grenade, genre, je ne me rappelle plus jamais son nom d'ailleurs, de la La grenade. grenade, Oh, la c'est grenade, très bien. ça ira très bien, oh, j'avoue. Et Max Raikoken sur le saut de Leona qui taunte alors qu'elle a 3 furies et un full drive. Benny Maru qui essaie de la rattraper, EX Grand Saber qui est passé. Il a train même ce EX Grand Saber, Moonslash qui est puni avec une balayette, enchaînement de Babé, Dash, Chop, bien joué, qui met Benny Maru dans le coin et qui mange Babé. Très bien joué à Yox qui, malgré ses taunts, se débrouille pas mal dans cette rencontre. Il a 3 taunts, hein, c'est ça, hein. 3 taunts à 0, je crois. Voilà, 3 taunts à 0. Je pense que même JPKOF ne fait pas mieux. Hein. Ah non, non, non. Bon. Allez, Shen qui m'en chope d'entrée de match. La grenade, c'est dans aïe, la aïe, garde. Dommage. Là, il y avait une belle ouverture pour au moins un combo avec Fury. Mais c'est pas venu. La grenade, c'est dans la garde. Avant B, il a Bien joué, chope ça. P sur la relevée. Oh la Max! À ras du sol! Très bien joué de la part de Yox. Le saut arrière point, Moonslash qui passe. Grenade, Fury, c'est bien joué! Le gros point, la balayette, Ball Kick pour charger sa barre. Faut éviter de le faire maintenant qu'il a deux barres. Et saut vertical, gros pied. Tu m'as 1-0 pas dit, pour Richard, que les matchs Yox. étaient violents Ah, comme mais ça. les matchs sont toujours violents avec moi. Y a pas de soucis. Oh, la phase, putain, qui ne l'aurait pas mangé, s'il te plaît? Ah, j'avoue. Qui ne l'aurait pas mangé, hein? Ça, Comme c'était très, le très bien V sur joué. Max à la relevée là, wouh! Alors, ça Je me va dis. tranquillement vers la sélection des persos, tout en sachant que Yox n'a pas le droit d'y Ah, aller. ouais, voilà, j'ai Il ne pas. peut que faire sélection des persos, étant donné qu'il vient de gagner. Mais il repart avec la même team. Donc là, il y a un 0, hein, ça c'est pour Yox. 1-0 pour Yox Ok. dans ce match en first to 3. D'accord, Voilà, j'ai compris. donc,
Allez, c'est parti, Yash contre Yori, Sobe les trades dans le saut. Pour le moment, ça fait un petit jeu de boules. Yex, Floréal, si je me rappelle bien du nom. Voilà, qui sont pour le moment dans la garde. L'esquive de Doom, ce qui est bien joué. Floréal dans la garde à nouveau. Floréal, gros point cette fois-ci. Boule, c'est mieux. Ouais, la boule, allez, on va dire la boule, c'est beau. Pub, là. Ouais, je l'avoue. Allez, babé. Ah, le dragon qui est pas passé. Un peu comme un flash kick hein, pour ceux qui jouent à Astrid d'ailleurs. De toute façon, Ash est un joueur, un perso à charge. C'est un peu comme Gaël. Un peu un Gaël, le Gaël du jeu, on va dire. Hein, mais, même si c'est pas trop vrai, hein, bien sûr. Allez, le saut B. Le saut gros pied. Le saut gros pied à nouveau, l'Erika, voilà. Et ça va tuer notre Ash Crimson, le Ash Crimson de Yox. Et une bonne entame de match pour Dooms. Putain, j'ai faim. Comme ça, au pif, j'ai voilà, faim. J'avais envie de niquer un peu la vidéo. Voilà, merci. Ouais, c'est moi aussi. T'inquiète pas, hein, y en a plein qui veulent après. Grave, là, allez, les Rekka qui se font punir. Stan B Dragon, ça c'est très 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 bien joué de la part de Yox qui a voulu arnaquer après avec Yakuretsu Binta, mais c'est pas passé. Les Rekka à nouveau la même punition. Stan B Dragon, c'est très très bien joué. Ah, la balayette de Dooms. La fameuse balayette course. Chope rien alors qu'il avait les drives, tout ça, il aurait pu en terminer. La Doshta, il backdash pour le moment. Dans l'attente, Yox, il veut pas faire d'erreur, il se mange quand même ce pressing, sauf gros point. Ah, le Koken qui est pas venu, il s'est fait choper. Oui, chope X qui passe, Dooms qui fait un super cancel, va-t-il faire le follow-up? Non, alors que le follow-up aurait peut-être pu tuer, il se mange la Neomax. Sur la relevée de Yuri, très 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 bien joué. Tu penses qu'il regrette de ne pas avoir fait follow-up? Je pense qu'il regrette de ne pas avoir fait follow-up. Hein. Connaissant Dooms, je pense qu'il s'en bat les couilles en fait. D'accord, mais. Là, elle est à poil. Ouais, elle est à poil, certes, mais oui, Saifa d'entrée de match, gros point raté du Demon Flip Shop qui lui a donné un Raioken. Benimaru Kolaida, bien joué. Le bas A, je sais pas pourquoi. Et le cross-up de Benimaru qui passe. Très 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 bien joué. Allez, le quatrième round qui oppose Benimaru à Leona. Leona qui se mange d'entrée de match en dos à Dangiri. La grenade donc qui va être lancée par notre cher Yox. Moonslash, le saut arrière, gros point. Allez, l'enchaînement max mode de Dooms. Qui ne se rattrapera pas avec la Neomax à la fin. Très 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 bien joué. Si je compte bien, ça fait un partout. Un partout pour Yox. Il a les taunts pour lui, je suis désolé. Ah oui, j'avoue. Donc un partout pour Yox. Voilà. Non, là on a vu que Dooms il voulait pas se laisser. Ah oui, voilà, il voulait pas se faire arnaquer une deuxième fois. Donc, Et il a dit arrête tes conneries maintenant, voilà. Hein, ça suffit. Donc on va dans la sélection des persos. Ah non, j'ai manqué les gars. Banky Dexy. Il est pas. Oh, mais. Oh, d'accord. Oh, mais sérieusement. Kensuchin. D'accord. Et le dernier sera. Oh, c'est. Ma préférée du jeu, Yuri Sakasaki. Ah ouais? C'est ta préférée? Ouais. Je savais pas. Des meufs, c'est ma préférée. Je pensais pas. Ta gueule. Ah non, je pensais pas. Je me saoule pas. Ah, j'ai rien dit. Ah, ok. Je savais pas que tu préférais cette meuf. Je pensais que je suis ok. Je savais pas, je croyais que tu préférais quelqu'un d'autre comme meuf, c'est tout. Kula ? Non. Qui ça ? Je te dirais pas. Bah ça sert. Bah dis. Bah non, c'est plus facile. Putain, t'es nul. Ah, c'est fait exprès. Allez, Kensu contre EX Yori. Dooms qui ne change pas de team, de toute façon il n'a pas le droit, il vient juste de gagner. Allez, saut CD, le Chukudanya. Chukudanya à nouveau, l'agression au saut CD dans le moment. Chukudanya. Une boule aussi, ça marche. Ouais, une boule, ouais. Moi je dis les noms, j'aime bien. Allez, le Erika, mais qui passe dans la gare, il se fait immédiatement punir avec l'Erika. Voilà, le dragon, il a pas le temps. Balayette, là, qui ne passe pas. Le babé, ouah, saut CD qui fait cross-up. Saut CD counter, saut CD en rattrapage. La boule dans la garde à nouveau, le dragon, drive cancel, bien joué. Ah, il garde, ouais il connaît, t'inquiète. Voilà, EX, boule de Yori qui n'est pas passé.
très attentif. Pour le moment, il gagne. Oh, bien joué, la feinte avec la taunt. Cette fois, ça sert avec Kensu. Allez, le stand B, le gros point avec la boule qui fait dans la gare. Voilà, la chope. Et le dragon qui n'est pas là. C'est dommage, hein. On peut mettre le dragon. Bien joué, feinte à nouveau avec la... avec la taunt et le Chukyudan. Alors, ce mec est démoniaque. Voilà, mais au moins avec Kensu, là, sert, c'est oui. très 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 utile. Car c'est comme utile vous... ou c'est très très utile? C'est très 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 utile. Ah, précise quand même. Ouais, c'est très utile. Car justement, la taunt en fait a la même animation qu'une boule. Donc c'est pour ça qu'on peut feinter en fait justement ce. Y aller. Ce genre de choses. Et pour le moment, bah, Benimaru qui a perdu presque 300 de vie, il mange quand même la chop, le Kensu, Ando Satangiri, la max sur la relevée qui a été annulée parce que la max n'est pas invincible. D'accord. Et donc voilà, c'est pour ça qu'elle a été annulée. Et le dragon, voilà, plus de Kensu. On notera quand même une belle, un beau saut boule de Benny pour niquer le dragon de Kensu. Tout à fait. Merci Thierry. Donc, tout simplement parce qu'il fait un petit saut au-dessus de la boule de Kensu pour pouvoir l'éviter. Et... Non, il a fait saut boule. Ah, il a fait, oui, j'avais pas vu, oui. D'accord, juste avant. Oui, saut, oui, je trouve. Arrête de regarder ce retrait. D'accord, ok, ok, ça marche. Détends-toi, Je suis détendu. Hein. Allez, saut CD pour Yuri, le stand B, course balayette, Babé. Pour le moment, ça se regarde un peu, le dragon un peu piffé, mais c'est passé, on s'en fout de sauver. Allez, le cross-up. Allez, le dive. Dive à nouveau. Stand B. Oh, tentative de Max Pod. Là, il va essayer de se recycler, mais ça marche pas. Allez, le sauter. Dive. Rien du tout. Yugen Kyogi, ah, c'était évident. Pourquoi elle, tu sautes? Il y a la taunte derrière. La 2-3. Je rappelle qu'on est quand même en quad pour la troisième place. Pour la troisième place, et ça tourne. Ce gros point. Option select. Hein. C'est des sauts gros points qui permettent de faire qui permettent de faire aussi la chope aérienne. Ah là là. Allez, le saut des l'enchaînement de light. Course, EX, Benimaru, Collider. Le combo derrière. Benimaru Lancer. Ah, Dooms qui garde, a gardé son calme. Ah, Dooms qui garde son calme. Enfin, il fait des bons combos. Après, voilà, je sais pas s'il est calme, mais il fait des bons combos. Il veut gagner en tout cas. Ça c'est sûr. Ça je se voit dans. Pas qu'il soit calme à la fin. Allez, Chin, le dernier striker de Yox. Alors, s'il va pouvoir faire quelque chose, Yox qui est. Je peux lancer une rumeur fausse ou pas? Je dis qu'elle est fausse avant quand même. Mais... Voilà, une rumeur fausse, j'aime bien. Il paraîtrait que ce Chin a appris tout aux autres Chin français. Ah, c'est une fausse rumeur, bien sûr. Complètement. D'accord. Mais c'est une rumeur quand même. J'ai le droit de le dire. Oui, tout à fait. Voilà. Allez, bah ce Chin d'ailleurs qui tue le Benimaru de Dooms. Donc c'est pas un Chin... Au pif. C'est pas un Chin au pif, voilà. Un Chin à faire très 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 attention. Surtout dans les mains d'Ultra Yox. Surtout. Faut préciser. D'ailleurs, on va le voir contre le Shen donc de Dooms. Moi, j'aimerais bien voir sa taunt. Parce que j'ai jamais vu la taunt de Chin. Ah bah, là, c'est Est-ce simple. Il va nous la mettre en tout cas. Oui. Ah, normalement il boit, je crois. Ce qu'on voilà, m'a dit. Voilà, exactement. Il a les 5 boissons. Voilà. Donc une taunt à nouveau dit, ouais. qui est utile. Donc il y en a très peu des taunts utiles. Hein, mais celle-ci l'est. Car elle va mettre, comme vous pouvez le voir, juste à côté des barres de furie de Chin, un niveau de boisson. Ce contre, bien joué. Le ex demi avant-pied. J'expliquerai pour les boissons juste après. Combo HT de Dooms qui est fâché. Qui, si il le fait bien, pourra peut-être tuer. Non, ça ne tuera pas. Il l'a fait un peu trop tôt l'année au max. Ça n'aurait pas dû. Et Chin qui reprend. Voilà. Il va pouvoir utiliser ses furies. Gros point. Non. Ah, carrière. Le stunt. La shop. Bien Dommage joué. Dommage que c'était pas l'autre shop. Il avait gagné. C'est voilà. Oh non. Tu es pas sérieux? Si. Excuse-moi, mais je le vois, c'est la première fois que je le vois, tu vois, c'est bien. Avec le EX Caravan Kick, bien joué à Yox qui met les compteurs en son avantage avec 2-1 pour lui. C'est violent. Avec un changement d'ordre pour Yox. Donc oui, la taunte de Chin. Oui, pardon. Qui permet d'avoir 5 niveaux de boisson à la fin de la taunte. En un coup, voilà. Comment tu dis taunte? Taunte. Ah ok, donc c'est un truc que tu disais différemment. Et donc, ces 5 niveaux de boisson sont le level max que peut atteindre Chin. Sinon, tu préfères le poulet ou comment ça marche?
Tu t'attendais pas à ça. Qui ça? Tu t'attendais pas à ça. Allez, on est parti pour ce match. Déjà l'avantage à Yox, Chin en 1. Quand même. Allez, le gros phare, gros point, cancel. Là, il backdash tranquille. Le saut gros pied de Dooms, bien joué. Le gros point. Le cross-up qui a été tenté, mais c'est bien gardé de la part de Yox. Le petit point en anti-air, mais il mange dragon derrière. Le EX caravan kick. Le Reka, malheureusement, il n'y a pas la suite, c'est dommage. Phare, gros point, bas diagonale avec le car arrière. C'est pas mal, hein, pour le moment pour Yox. Même si Chin en 1, lui, je trouve que c'est une mauvaise idée, mais ça lui réussit plutôt pas mal. Chin en 1, c'est une boucherie. Mais... Allez, les Reka, voilà, bien joué avec le drive cancel chiné. Chin en 1, c'est bien, hein, tu te trompes. Hein. Ah ouais? Ah ouais. Non, mais dans son. Mais dans ce versus-là, c'est pas bien parce que le versus, il est pour Yagamar. D'accord. Yagamilf. Yagamar. Yagamar ou Yagamilf? Quand il y en a marre, il y a Yagamar. Tu sais, ça, c'est d'accord. Allez, le Kensu, on va voir s'il va pouvoir faire quelque chose. Kensu avec full drive, Chukudan, c'est dans la garde, la boule à nouveau, mais en anti-air. Yex le dragon, c'est très bien joué ça de la part de Yox. Le gros pied. Allez, ce gros point, le cross-up, c'est bien vu ça, mais il n'y a pas la suite, il s'est trompé. Je pense qu'il voulait peut-être faire une activation HD, mais qui est pas venu. Hein. Tout simplement, il restait un tout petit peu, saut arrière gros point et la mort. Qui est très bien son saut arrière gros point, on oui. Dit pas assez. Hein. Très très bon, très très bon gros saut gros point d'ailleurs. Ouais, déjà, complètement. De base. Allez, donc on est parti pour Benimaru. Voilà, fin à nouveau de Chokudan et le dragon derrière. Benimaru Collider X, la suite vous la connaissez, Ando Zatangiri. Le cross-up qui n'est pas là. Voilà, le dragon, hein, le Ado Trap est installé. Ah, le dragon qui a été piffé. Heureusement que Dooms avait bien feinté avec un Air Rising Ken. Mais voilà, le dragon après encore derrière. C'est Dooms, c'est un truc de ouf. Là, Fury qui est sorti. Je pense que c'est encore une mauvaise manip. Le dragon qui n'a pas été tenté. Et ça va être la punition max. Bien joué de la part de Dooms. Qui n'aura pas hésité à utiliser des Fury. Et un drive d'ailleurs. Ça coûte cher mais ça tue. Voilà. Il faut tuer, on l'a vu tout à l'heure, il faut tuer. Saipa d'entrée de match. Koken, la chop. Ce gros pied, Babé, Stenbe. La chop qui remet dans le coin. Benimaru Kolaida. Alors que la chop, pareil, est une frame. Mais il décide de partir avec la chop spé. Ce qui aurait pu lui donner l'avantage dans le coin. Avec un combo, ouais. Avec un combo garanti. Allez, la chope spéciale de Yuri, la chope aérienne, excusez-moi. Il a retourné ou j'ai... Ouais, la tourne derrière, hein, tu l'as bien vu, le dive kick. Ouah, ah, ça se rate, il a pas le drive, peut-être pareil. Il voulait utiliser son drive. Le saut petit pied, dive kick, babé, en décalage. Saut gros pied, le guard cancel, bien joué. Il aurait dû drive cancel Fury. On n'entendrait plus parler de ce Benimaru. Et pour le moment, les tauntes sont toujours là. EX Bakuret Winta qui n'est pas passé. La chape aérienne, si. La taunte derrière. Il est malade ce garçon. Guard cancel, chape aérienne, course, rien. Course 10 pieds. Benimaru qui lâche pas l'affaire et qui va toujours suivre cette Yuri. Chop SP, le stand B, le stand D derrière. Yuri qui taunte. C'est la fuite. Il se cherche. EX Benimaru Lancer, mais qui n'aura aucun effet sur sa Yuri. Le saut gros pied. Babé Ando Zadangiri. On n'aura pas eu le temps de voir à la fin que notre cher Dooms remet les compteurs à deux partout. Moralité du match, beaucoup de taunts, hein, je dirais. Beaucoup de taunts qui ont. Comment dire? Tu sais que j'hallucine de me dire que c'est quand même un match de 3ème place. Hein. C'est un match de 3ème place, hein, donc ne kiffiez pas ce qui se passe, c'est bien un match de 3ème place. C'est sûr, hein. Ah, j'en suis sûr et certain. Dans un tournoi. Dans un tournoi, ça compte. Oui, d'accord. Bien sûr. Donc, on est revenu dans la sélection des persos. Étant donné que Yox vient de perdre, il a le droit justement de changer de perso. Et c'est ce qu'il fait en prenant Wajai, Billy et Chin en dernier. Et je pense que son ordre sera sûrement Billy Kane, Wajai, Chin. Voilà, Billy Kane. Donc, on a très très peu vu lors du Republic of Fighters, il n'y avait pas beaucoup de joueurs de Billy. De mémoire, il y avait Tarma et Yox.
Et Yox qui décide de le sortir pour cette troisième place. Il y a 2-2. Il y a 2-2. Donc on va voir qui sera le troisième et quatrième de ces Republic of Fighters. Son petit point. Direct, hein. Ah, il a attaqué direct Yox. Apparemment avec son Billy Kane, il a envie de faire quelque chose. Et on va voir si... Oh, le A en anti-air, c'est pas mal. La balayette de Dooms qui passe. Son gros point. Allez, STD, le caravan A. L'Erika, c'est pas... Ouh, si, c'est puni. Stan B, caravan A. C'est pas mal. Dash, gros point. YX Dragon pour le Billy Kane. Avant B, c'est pas passé. Soit arrière CD, c'est bien joué. Avant A, pourquoi tu bouges? Allez, là, Shop qui met notre chariot dans le coin. Bah A, l'Erika, c'est pas puni cette fois-ci. Ou mal, du moins. Le... Allez, le gros point, le backdash, ça c'est bien joué, le babé, le bas, c'est en anti-air, c'est aidé, en anti-air, la taunte de Billy Kane. Elle est stylée la taunte de Billy Kane quand même, faut dire ce qui est. Allez, Eric, les gros points à avoir assez dans la garde. Allez, Doshta, dommage c'est pas fini, il reste rien de vie à Dooms. Et le bas gros point en anti-air, très 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 bien joué à Yox qui était très patient. C'est avant A, c'est pas punissable? Non. Non, d'accord. Juste comme ça. C'est avant A de Yagami? Ouais. Non. Non. Ok. Billy Maru, deuxième striker de notre cher Dooms. Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! YX Dragon, c'est assez ouf! Avec le combo derrière, très très bien joué. Saut gros point, hein, les caravans A. Bas gros point en entière. CD dans la garde. Très bien joué. Avant B, ce qui a été un peu puffé, c'est dommage. Le gros point, le saut. Au pied de Dooms, à Jinken qui ne verra que la garde du Billy Kane, le avant A qui touche en anti-air, le saut gros point bien joué, YX Dragon après cette roulade arrière, le combo classique, malheureusement il se loupe dessus, combo en garde, c'est bien joué, hey hey hey! YX Benimaru Collide, waouh! Ah, je crois qu'il était énervé. Là, il était fâché, Dooms. Hein. Je crois qu'il YX était Benimaru fâché. YX Benimaru Collide, la max derrière après le Benimaru Lancer. On retiendra la musique. Comment? Moi, j'aime bien la musique de Billy. Ah, moi aussi, j'aime bien, j'avoue. C'est pas mal. Waouh, ce Wajai qui roule un peu au pif, mais qui arrive à s'extirper du coin tranquillement. Du carrière aérien, mais qui ne touchera pas. Benimaru, allez, oh, c'était peut-être une feinte de Fury, mais qui est pas passée hein, pour Wajai. Et oh, bah voilà, il en profite avec ce combo de une barre. On va voir ce qu'il va faire avec une. Like Oken, mais ça va pas tuer, c'est dommage. Et là, Fury Max que j'avais anticipé tout à l'heure est venu maintenant. Et c'était un peu évident, hein, apparemment. Raiden, tu hoches de la tête, oh, mais... ouais, un petit peu, hein. Un petit peu. Allez, le saut car arrière, ça permet de charger la barre de Fury, mais de garder aussi un peu d'espace, mais en c'est fait, mal utilisé. C'est là où j'aurais aimé qu'on ait les deux joueurs présents, parce que je comprends pas en fait ce qu'il a voulu faire. Pour moi, j'ai vu un Wajai qui voulait pas se battre. C'est clair, sérieusement. Ouais, ouais, il a un peu fui là, c'est clair. Allez, le Chin tout à l'heure qui a été plutôt pas mal. On va voir ce que ça a donné. La balayette, le YX car arrière qui est immédiatement puni. Babé endosse à Dangiri. Le Sodé, il n'y a pas de contre. Le gros point. Le bas diagonal, ça court un petit peu en arrière. Babé, ce gros pied. La chop, c'est bien joué. Car arrière, voilà le combo classique dans le coin. Le juggle, sympa. Gros point. Voilà, et ça tue. Yox qui est bien parti. Et on va voir donc le dernier striker de Dooms qui n'est autre que Shen. Shen qui a deux barres de Fury, le drive. Voilà la taunt, voilà qui aurait pu permettre à Yox d'avoir les 5 levels justement de boisson qui permettait. Oh la chop, voilà, la revoici, c'était en punition de la roulade. YX car avant kick, là, bien joué, le saut arrière qui lui permet d'éviter la chop spéciale. Le gros point, break CD immédiat de Dooms. C'est avant B, c'est dans la garde pour le moment. Là, il y a Yox qui essaye plusieurs ouvertures mais ne passera pas. Le combo HD qui aurait pu être là, mais la max. Voilà, en terminé. Et troisième place revient à Dooms. Cette troisième place qui aura eu le mérite d'être très bien disputée avec ce score de 3-2. Voilà. Dernier perso à la fin. Voilà, très 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 bien joué à Dooms, au dernier perso, etc. etc. Voilà, bien joué à ces deux joueurs et bravo à Dooms pour sa troisième place.